Je suis avec vous aujourd'hui et ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un excellent mois d'août et que pour vous, eh bien, les congés ou la période de travail se passent vraiment pour le mieux. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet polémique puisque j'aime beaucoup, comme vous aurez constaté, évoquer sur ma chaîne des sujets qui sont parfois, on va dire même régulièrement, assimilé à du complotisme. Pourquoi ? Eh bien parce que ces sujets qui jusqu'à présent étaient un petit peu raillés par la société en règle générale commencent pour certains à s'étayer de preuves et à être plus ou moins quand même mis en lumière par des libres penseurs, par des personnes éveillées et puis aussi par des courageux journalistes qui parfois ont dû quitter notre beau pays démocratique pour avoir enquêté sur des sujets pour lesquels nos grands dirigeants ne sont pas très friands que nous puissions partager leurs connaissances et leur grande lumière. Donc ici, je vais m'attaquer à un grand sujet qui me passionne depuis longtemps et pour lequel je n'ai jamais fait de tirage, même à titre personnel. Et je vais le partager avec vous avec grand plaisir puisque je vais vous parler du club fermé Bilderberg. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce club et ce rassemblement annuel qui comprend toutes nos élites, alors des patrons de médias, des patrons industriels, des ministres, des présidents de l'Europe entière, hein, se réunissent une fois par an. Et bien entendu, tout journaliste et toute caméra sont prohibés. Donc j'imagine que nos impôts certainement finance cette grande réunion au sommet des personnes les plus importantes, les grandes élites de ce monde, et bien ils choisissent des lieux plutôt hautement symboliques pour se réunir et parler de choses qui nous concernent mais qu'ils ne souhaitent pas porter à notre connaissance. Sans sombrer bien sûr dans la publicité d'aucun parti politique ici. Je sais qu'il y a Égalité et Réconciliation qui a parlé à plusieurs reprises de ce sujet. Parfois, cette chaîne peut être assimilée à certains partis politiques. Donc, sachez que ce ne sont pas mes... Enfin, que moi, je n'ai aucun parti à privilégier ici, ni aucune idée à vous donner, mais simplement de vous présenter quelque chose qui existe, dont très peu parlent, et qui, à mon avis, mérite quand même le coup d'être étudié. Je vous propose donc d'utiliser le grand été là afin de décrypter ce groupe mystérieux du Bilderberg. Je retrouve les cartes avec vous d'ici une seconde après les avoir préparées et disposées. Voilà, donc j'ai tiré 13 cartes pour procéder à un premier jet d'analyse concernant le Bilderberg. La coupe ici sera la vérité renversée. Alors déjà, ça nous donne tout de suite le chiffre 6. Hein. Donc, on peut y voir une coïncidence pour ceux qui sont les plus sceptiques, et je peux l'entendre. Néanmoins, le chiffre 6, c'est quand même un chiffre qui est associé à tout ce qui est diabolique. Donc, on nous donne déjà une tendance, et de plus, ici, on nous parle de vérité. Donc, on nous parle de vérité qui est renversée, puisque la carte est à l'envers. Donc on nous montre avec cette carte numéro 6 que ici il y a une illumination dans cette rencontre. Ici les choses sont dites avec moins de filtres que ce que nous pouvons percevoir comme information. On nous dit que c'est vraiment un emblème de réussite en fait hein, cette carte et d'aspiration dans tout ce qui est mystique et mystérieux. On nous dit que pour le commun des mortels ici, eh bien, c'est très difficile à comprendre. Et je vous le confirme. Donc, merci pour cette coupe. Allez, nous allons regarder donc le reste du jeu pour savoir un peu ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc, on a la carte du désir. Avec les rentrées d'argent. Alors, effectivement...
Ce qu'on sait ici, c'est très, 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 très minime par rapport à tout ce qui nous est caché. Et on peut dire que c'est du complotisme pour faciliter en fait la communication autour de ces événements qui, quand même, hein, sont cités sur des grandes chaînes, alors comme on dit maintenant, sur des fact-checkers. Oui, on en parle, donc ça existe, mais on n'a pas le droit du tout de savoir ce qui en ressort. Et avec ce 2 de coupe renversé qui nous parle de désir, on nous dit ici que ces personnes-là obtiennent ce qu'elles veulent grâce à cet événement. Donc les personnes qui y participent sont en fait des personnes qui en fait émettent des idées. Et visiblement, celles-ci sont portées tout de suite à une certaine atteinte à la réussite. Donc tout de suite, on peut, avec une certaine immédiateté, leur répondre oui ou non et mettre à profit des choses très rapidement. Donc j'imagine qu'on nous parle de sujets qui ne seraient pas votés, mais bien décidés dans ces hautes instances, qui ne passeraient pas du tout par vraiment un avis qui nous concerne, nous, pourtant qui sommes impactés par les décisions. Et avec la rentrée d'argent, on nous complète l'information et on nous dit ici que pour eux, ce Bilderberg, en fait, est source d'un bonheur durable et sans nuages. On nous parle vraiment d'une excellente situation. C'est la meilleure carte du jeu ici qui ressort. Et on nous parle vraiment d'aucune influence néfaste qui ne puisse les atteindre. Ils sont intouchables. Le bonheur. Avec les critiques. Alors, la carte du bonheur ici n'est pas forcément à prendre telle qu'on peut le voir à travers ce mot. Pourquoi? Eh bien, ici, nous sommes sur une carte renversée qui nous dit attention, profitez de ce bonheur, de ce que vous avez comme richesse et comme pouvoir, car ça ne va pas durer. On nous parle de quelque chose d'éphémère. On peut aussi, avec cette carte qui vient en complément et qui est la carte des critiques, nous dire que ce qui peut être éphémère, eh bien, c'est cette propension à agir en toute impunité sans rendre de compte. Puisqu'ici, le 8 d'épée, en fait, nous parle de critiques acerbes et puis qui ont une incidence. Donc, on nous dit ici vraiment qu'il y a des difficultés pour se justifier et qu'il va peut-être falloir un petit peu. Ils vont peut-être devoir rendre quelques comptes et ne pas en avoir ni envie ni vraiment l'autorisation. Donc, je pense qu'ici, malgré les critiques qui peuvent être émises autour de cette société, eh bien, il y a une certaine contrainte qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans ce groupe-là ne peuvent pas émettre de critiques, n'en ont pas le droit. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont même pas le droit de parler tout court. Ici, nous sommes sur l'inaction avec le 66. Et donc, et ici, nous avons le garçon studieux. Ok, donc en fait c'est très paradoxal, là encore une fois, on peut se dire que cette inaction, cette carte qui arrive comme un valet, qui est un petit peu la jeunesse et l'insouciance, ça pourrait représenter l'État. En fait, on ne nous dit pas tout à fait ça. On nous parle des conséquences en fait de ces inactions. On nous dit que c'est un club qui fait preuve d'insouciance et que cette insouciance leur nuit, car petit à petit, eh bien, le peuple se désolidarise. On nous parle d'inaction, car il y avait des attentes qui n'ont pas été du tout comblées. Et aujourd'hui, la situation n'est plus du tout pérenne comme elle avait pu l'être avant, puisque je pense qu'au préalable, nous ne remettions pas du tout ces instances en question, ce qui aujourd'hui a l'air de vouloir changer. Avec le garçon studieux, on nous parle ici de nouveau d'un valet et on nous dit en général qu'il n'est pas de très bonne augure. On nous parle ici de quelqu'un qui est une personne jeune, qui a toute l'avenir devant lui et qui malheureusement se laisse influencer. Et il se laisse influencer par la carte qui lui est associée ici, celle de l'inaction. Donc on peut penser à un certain président de la République, par exemple, ou à des personnes qui dirigent des fonctions assez importantes dans l'industrie, dans la presse, dans l'armement, effectivement, là où on nous parle vraiment d'un manque de, comment pourrais-je dire, sans m'attirer les foudres.
Oui, d'un manque d'impact, d'un manque d'implication. Donc attention, parce qu'en fait, ces personnes qui sont censées être présentes dans ce club de Bilderberg, eh bien, ici, on nous dit que c'est des personnes qui sont égoïstes et qui, en réalité, n'ont pas pour objectif de travailler pour la lumière. Ça, c'était effectivement, ça ne m'étonne absolument pas. Les discussions avec le militaire. C'est marrant, je viens de vous en parler. Du coup, bon, là, on est vraiment sur une carte qui nous représente ce club à lui seul, hein, sur le terme de la discussion, parce que c'est celle des pourparlers, des discours. Et d'autant plus, en fait, c'est une carte qui parle de discussions qui sont plutôt vives, longues, et qui sont des échanges plutôt entre amis, on pourrait considérer, entre personnes d'une même appartenance. Donc je pense qu'on est vraiment là sur la cible du sujet. Et la carte militaire qui se joint à ces cartes de conversation ici, eh bien ici nous parle d'un écuyer. Et en fait, on nous dit que c'est un cavalier, donc ici, qui généralement de bon augure, et qui nous dit que ce sont des personnes qui, lors de leurs discussions, ont le courage de leurs opinions. Donc quand ils sont entre eux, ils ne cherchent pas visiblement à mettre de filtre et les conversations sont menées à bâton rompu. Le changement. Le changement qui arrive avec le mariage. Donc on est bien sur des alliances ici, hein. On nous parle vraiment de ce club comme étant quelque chose de puissant. On le remet à sa place de véritable moteur au sein d'une organisation plus grande que lui. Avec la carte du changement et donc encore une fois d'un cavalier, eh bien on nous dit que c'est en fait une personne. Alors une personne, si c'était dans le cas par exemple d'un sentiment, on pourrait parler ici d'un amoureux qui s'en va et dont quelqu'un peut souffrir. Ici, on représente plutôt, je pense, le peuple qui voit ses élites fuir et qui en souffre, puisque plus personne ne s'intéresse réellement à ce peuple, à part pour ce qui peut rapporter. On va dire, on ne nous donne quasiment même plus l'illusion d'avoir un certain rôle dans la société, notamment celui de voter et d'avoir élu, quand bien même à défaut, certaines personnes qui ne vont vraiment pas au bout de leurs engagements. Donc ici, je m'égare et c'est un avis personnel, mais j'essaye de vous expliquer cette situation ici de changement et de changement qui eh bien, est fait parfois dans la douleur, mais qui se montre nécessaire. Et dans ce club ici, on nous dit que c'est vraiment une façon pour eux de s'éloigner du peuple et de quelque part montrer leur élitisme. D'ailleurs, la carte du mariage vient vraiment symboliser et renforcer tout ça en nous parlant de signature de contrat. Donc il y a une alliance et il y a des contrats qui sont menés autour de ce club. Nous allons continuer avec la carte des surprises et le mensonge. La carte des surprises. Ici, sur la surprise, nous arrivons sur une carte qui indique plutôt quelque chose, une nouvelle fois, de bon augure. On parle du 2 de bâton et on nous dit, en réalité, ici, encore une notion d'éloignement avec cette carte. On nous parle de grands risques. On nous dit que cette carte, en fait, peut favoriser les grands chagrins, les grandes pertes. Et quand je parle de perte, je parle de décès. Donc là, on peut avoir un événement vraiment inattendu qui peut obliger, donc en termes de décès, pas forcément la mort, hein, mais la fin d'un cycle, la fin d'une cohésion. La fin, là, on nous parle vraiment de surprises qui sont pas dans le bon sens du terme, hein. Je pense qu'on va en entendre parler et que ce qui s'est passé lors de la réunion de cette année aura des conséquences rapides. D'ailleurs, bon, malheureusement, on nous parle de mensonges tout de suite derrière, et pour moi, vraiment, c'est complètement lié, puisque je crains qu'on nous parle ici de propositions qui ont été faites entre eux et qui vont être très mal accueillies par le public, en fait, hein. On nous parle vraiment de mensonges ici, on nous dit de faire attention à ce qui a été fait dans l'ombre et qui va nous être présenté
comme quelque chose de super et qui en réalité ne l'est pas du tout, ne l'est absolument pas. Donc je sais qu'on va avoir un discours à la rentrée, carte de l'espérance pour terminer. Le discours de la reprise de notre président risque de comporter des informations en provenance de cette réunion-là. Il va falloir être très attentif à ce qu'il va nous dire. Je crois que je vous l'ai déjà dit, alors excusez-moi si je me répète, mais ça, c'est quelque chose qui me. Depuis le premier jour de où j'ai vu passer cette information-là, mon système interne d'alerte, crie au secours. Donc, je pense qu'il va falloir savoir lire entre les lignes une nouvelle fois. Ici, avec le 7 d'épée, pour clôturer sur l'espérance, on nous dit que ce sont des gens qui sont complètement capables de vivre plusieurs vies sur l'unique bénéfice de ce qu'ils ont déjà tiré. On nous dit que c'est des hommes d'affaires qui ont la volonté d'agir seuls et de s'enrichir seuls, en fait. Pour eux, il n'y a pas forcément d'écoute. D'ailleurs, il n'y a pas d'écoute en fait du peuple. Ce qui les intéresse, c'est vraiment leur bonheur immédiat. Voilà ce qu'on pouvait nous dire déjà avec ce jeu. Je suis assez contente, entre guillemets, parce que c'est vrai que les cartes étaient plutôt faciles à parler aujourd'hui. J'ai vraiment senti que c'était un sujet sur lequel je pouvais m'aventurer. J'y avais déjà pensé, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'y pense. Mais objectivement, il faut se protéger de certaines énergies lorsqu'on fait certains tirages. Et ici, on est sur une énergie très basse. Donc, c'est pas parce que ça brille, que ça prend des gros hélicoptères, que ça vit dans des palaces, que ça resplendit de lumière, bien loin de moi, cette idée-là. En tout cas, c'est absolument pas ce que je ressens autour de ces gens. Vraiment, c'est tout sauf lumineux et tout sauf. Anodin en fait. Hein. Quand je fais des tirages, par exemple, comme j'ai pu faire sur d'autres sujets qui m'ont un peu été reprochés, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont polémiques. Donc, par exemple, sur l'adrénochrome, j'ai eu un espèce d'individu tordu, propriétaire d'une chaîne absolument ignoble sur laquelle je me suis rendue pour voir un peu qui osait être si méchant. Donc, lui, il me demandait les numéros du loto. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'a absolument rien compris. On n'est pas là pour faire une richesse d'un don. Ça, c'est pas bien du tout. Si j'avais, encore une fois, pris 500 000 euros pour vous dire, ah bah oui, tout va aller mieux dans 3 jours, je ne pourrais même plus me regarder dans un miroir. Je ne suis pas comme ça du tout. Donc, avant de me sortir des idioties pareilles, est-ce que pour lui, sa seule valeur, c'est de gagner au loto? Ben, très bien, on ne fait pas partie du tout du même monde, monsieur. Et quand en plus je me suis rendue sur sa chaîne et que j'ai vu, c'était une chaîne dédiée à apprendre comment tuer des gens dans un jeu de guerre d'internet, un truc complètement trépané où je vous passe par organe, donc on peut viser le foie, bref. Et c'est des gens comme ça qui viennent me dire blablabla quand je parle d'adrénochrome. Donc, bof, en plus avec une tête de mort en photo de profil, enfin quelqu'un de pathétique hein, d'ailleurs. Et puis je me suis pas gênée pour dénoncer son comportement dans ses commentaires. Et je ferai de même avec tous ceux qui croient que ça peut passer à travers. Moi, je signale vos chaînes et je ne me gêne pas pour vous le dire. D'ailleurs, je vous bloque aussi par la même occasion. Souvent, j'essaye de vous répondre avant de vous bloquer, afin que vous voyez quand même que tout n'est pas permis sur ma chaîne et que je sais aussi très bien me défendre si on m'attaque. Mais mon éducation, j'ai envie de dire tant mieux et merci, fait que je dois toujours rester dans la maîtrise et dans le contrôle. Donc, moi, contrairement à vous, je ne m'estime pas protégée par un écran ni par un clavier. Et je pense que si nous étions dans la vraie vie, vous seriez bien embêtée de me rencontrer. Vraiment. Parce qu'ici, je suis très gentille, très calme, mais je sais être quelqu'un qui fait preuve d'arguments dans ses conversations. Et attaquer les gens gratuitement, traiter les gens sur la chaîne. Heureusement que j'ai des tas de gens qui sont formidables ici, hein, parce qu'il y a de quoi se taper la tête dans les murs. Tout ça parce que ce monsieur estime que l'adrénochrome n'existe pas, que c'est un complot. Très bien. Et bien justement, mon tirage avait pour but de regarder un peu ce qu'on pouvait nous dire sur ce fameux adrénochrome. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et bien je vous invite à le faire, parce que j'ai trouvé un tirage relativement intéressant à mon humble avis. Et puis, c'est des sujets, malheureusement, pour ceux qui restent dubitatifs, hein, dont certaines chaînes d'information qu'ils jugeraient comme mainstream ont parlé.
Donc il va falloir aussi vous renseigner. C'est intéressant de savoir de quoi on parle avant de venir critiquer. Voilà. Moi, mon but ici, c'est de protéger un maximum de personnes qui se sentent intéressées. Et je ne laisserai pas des sombres crétins venir vous dire que vos convictions ou que votre force est mal placée, puisqu'ici, je pense que l'objectif est très clair. Il est que chacun puisse, avec gentillesse, bienveillance et argument, proposer des théories sans affirmer quoi que ce soit. Et je pense que nous y arrivons très bien. D'ailleurs, je suis ravie de recevoir vos propositions par email ou sur Instagram pour des sujets de tirage. J'espère en tout cas que si ce sont des personnes qui sont directement touchées par ces disparitions, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je vous donne la parole. Alors j'ai ma petite audience actuellement qui vaut ce qu'elle vaut, mais par contre j'ai une communauté vraiment mais formidable avec des personnes qui sont, je trouve, pour la plupart d'une gentillesse extrême et très intéressée, qui sont capables de faire preuve de recul et d'analyse par rapport aux affaires. Donc, si vous avez besoin, envie ou n'importe quoi par rapport à vos disparus, n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition et bien sûr de manière totalement gratuite, hein, il n'y a pas de contrepartie demandée, absolument pas. Si je peux apporter une petite pierre à votre édifice ou en tout cas essayer de vous donner quelques informations, si en toute humilité je le ferai avec bienveillance et je me tiens vraiment disponible pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Alors ici, nous allons étudier la personnalité profonde et cette origine de Bilderberg, voir à quelles énergies on est confronté dans ce club. On parle de père et de foyer. Donc là, on est vraiment sur une notion de rassemblement autour d'un personnage en particulier. On nous parle du foyer et du retour à la maison. Donc pour eux, c'est vraiment un rassemblement un peu comme une fête annuelle qui est très très importante. Et qui pourtant crée autour de lui beaucoup de ressentiments. Ce déplacement-là crée des tensions. On nous parle de mentir et on nous voit ici les énergies croître. Donc je pense vraiment qu'au terme de ce séjour, ces personnes se rechargent d'une certaine façon. Alors soit par leurs mensonges qui peuvent leur apporter une certaine notoriété complémentaire, une croissance de pouvoir peut-être, mais également on peut parler ici d'énergie, de chakras, de corps astral et de corps physique. Pour moi, ils se construisent à travers cette réunion et probablement c'est l'occasion de présenter une certaine forme de réalité au plus grand nombre d'entre nous. D'où le fait mentir. Le chagrin est ici basé sur la coupure des liens, la coupure de ce qui semble être, voyez ici, un angle, on pourrait penser peut-être aussi à ce qui peut masquer, c'est-à-dire une tapisserie qui cacherait quelque chose, un bout de tissu qui ne serait plus assez, qui serait trop long par exemple. Pour moi ici, on nous parle vraiment de couper court, de couper, de mettre fin. On nous parle d'habitude et de charge, on nous parle de responsabilité ici. Donc vraiment, pour moi, on nous dit que lors de ces rassemblements, il se passe des choses que nous n'avons pas, nous, à connaître, puisque ça concerne uniquement leur foyer, ce qu'ils considèrent, eux, comme étant leur foyer. On nous dit que ce comportement et ces réunions créent des jalousies et des ressentiments, puisque beaucoup de monde est au courant de ces réunions et n'y est pas convié. Donc ici, on nous dit que ces personnes-là ont vraiment une volonté de croître, d'accroître leur puissance, d'accroître leur énergie et de prévoir le monde de demain en utilisant malheureusement la destruction des liens, la coupure de la famille, la coupure de tout ce qui apporte une énergie positive. On nous favorise un chagrin ambiant ici et on nous coupe vraiment de ce qu'on doit être dans notre essence. Ici, on nous montre une question qui, pour moi, est relative à l'Organisation mondiale du travail, par exemple, et on nous parle d'une charge d'habitudes qui sont prises, et je pense qu'on nous fait part ici d'une certaine peur également que les soulèvements récents de population
puisse apporter des difficultés au niveau gouvernemental dans la façon dont ils s'enrichissent habituellement à travers notre travail. Et on nous parle de rigidité de deux personnes de dos. Donc on est vraiment face à un club qui est vraiment très privé et qui ne cessera d'exister puisqu'il a pour but de prévoir le futur et de le prévoir d'une manière qui favorise toujours les mêmes États et toujours les mêmes industries. On nous parle vraiment d'habitudes qui ont été prises et c'est comme si pour moi, autour de cette table, chacun venait discuter son bout de gras et récupérer ce qu'il pense lui être dû. Dans ma tête, absolument, vraiment, il y a vraiment cette notion de toute façon, ça m'est dû. Donc, quelque chose qui n'est pas prêt du coup d'évoluer, semble-t-il. Alors moi, je voudrais encore avoir quelques précisions puisque, d'un point de vue égoïste, cette fois-ci, ce sujet m'intrigue vraiment. Et du coup, je vais essayer de reprendre d'autres cartes, mais sans mots cette fois, afin qu'on puisse peut-être nous présenter ce qu'il en est autour de ce fameux Bilderberg. Donc, je vais prendre le copé et puis on va faire parler les cartes au sujet donc de ce que ça nous cache en fait. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous les influences réelles autour de Bilderberg, s'il vous plaît. C'est une première carte qui vient de tomber où on nous montre des enfants qui jouent dans un cimetière. Donc clairement pour moi les enfants ici représentent cette fameuse élite dont je vous parlais qui est présente dans ces rassemblements et qui se joue des conséquences mondiales pour la planète, qu'il s'agisse des morts de la pollution, des morts de guerre. Ils s'en fichent, il n'y a aucun intérêt pour eux à regarder la mort avec peine. D'ailleurs, ils en jouent, ils en rient. Donc ça, c'est déjà la première carte qui s'est évadée du... Je vais continuer puisque j'ai l'impression que ça c'est spontanément que les cartes veulent bien venir ce matin. Donc j'en profite. J'espère que ce sujet vous intéressera et que je pars pas trop loin dans mes conversations parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été un petit peu dans tous les sens et je vous prie de m'en excuser. Habituellement, j'essaie de rester vraiment centrée sur mes tirages, mais là j'avais beaucoup de choses à dire parce que quand j'ai vu cette chaîne, mon Dieu, qu'elle était laide. Voilà. Alors ici, on a encore une fois des élites qui sont heureuses. Hein, ça ne ment pas, ça ne ment pas. Donc, je rappelle ma question. Qu'est-ce que représente vraiment le club Bilderberg? On nous parle de chaînes, on nous parle de liens, on nous parle peut-être de séquestration. Ici, on nous montre diverses sortes de nœuds. Et les nœuds en magie noire, c'est des nœuds de sorcière. On peut voir aussi une interprétation avec ce fond rouge hein, qui n'est pas rassurant ici. Donc on peut penser à une pendaison, à des maléfices, à des choses qui sont mises en place. Donc là, on a une apparence plutôt sereine de pique-nique. Donc c'est vrai que c'est une réunion hein, qui est très classe, qui se fait dans de très beaux endroits. Où je pense qu'il y a effectivement un cadre comme ça très agréable, avec des repas certainement très luxueux. Donc oui, c'est un cadre qui est agréable, effectivement. Donc là, on a quelqu'un qui tient une corde. Donc là, on nous montre la force, on nous montre la puissance, on nous montre aussi peut-être le lien. Et effectivement, ils sont liés les uns avec les autres, mais on peut nous parler aussi d'une certaine attache, on va dire, pourquoi pas de liens qui tiennent, qui peuvent être utilisés dans un... Comment pourrais-je dire? Enfin, vous voyez certainement ce dont je veux parler, par exemple, dans certains crimes, les personnes sont ligotées, et ça peut être des liens de ce genre aussi qu'on nous montre. Alors, je vais espacer un petit peu les cartes parce que là, j'ai celle-ci qui arrive. Donc là, on est dans un labyrinthe, hein, clairement. Donc on nous perd, on nous trompe, on nous ment, on se joue de nous, hein. On nous noie au milieu des informations avec ce club. Allez, je continue. Je pense que là, il y en a vraiment beaucoup trop qui sont tombés, donc je ne vais pas pouvoir les garder toutes. Mais a priori, on arrive sur la fin de ce que je... On ressent par rapport à l'utilité de continuer ce tirage, on me dit attention,
Alors, je vais faire attention. On dit attention et regardez, on parle de quelqu'un qui décède et quelqu'un dont l'âme monte. Pour moi, il y a vraiment une dimension dans ce club de spiritualité mal placée, de... Ouais, de spiritualité utilisée peut-être à mauvais escient ici. Donc, je ne vais pas insister vraiment plus parce que c'est vrai que je ressens que c'est... Oh là là. Bon, donc j'ai un petit enfant qui pleure sur un animal mort. On est vraiment dans une notion de tristesse, de sacrifice, d'énergie qui sont vraiment tristes, quoi. Ici, on voit des gens qui sont capables de se réjouir vraiment de choses très malheureuses. Et malheureusement, eh bien ici, on peut considérer un attentat, une explosion, peut-être une arme atomique. Qu'est-ce qui se cache derrière le Bilderberg? Est-ce que vous avez encore des messages pour moi? Est-ce que vous avez encore des messages pour moi pour le club Bilderberg? J'ai l'impression qu'on est arrivé sur la fin des messages qui pourraient m'être destinés. J'ai une carte qui s'est évadée, mais qui est... Ah, je vais récupérer. Tombée au sol. Et donc, c'est cette carte-là qui représente des femmes qui portent des seaux. Donc, on peut nous parler de peuple qui est assoiffé au point de devoir retourner, pourquoi pas, puiser dans des puits. On peut nous parler de charge mentale et de charge physique ici, que la responsabilité... porte sur les femmes, hein. Ici on nous montre vraiment le genre féminin, donc dans ce club Bilderberg je ne suis pas sûre qu'il n'y ait que des hommes, ici on nous parle peut-être de personnes féminines qui ont aussi quelque chose à jouer là-dedans. Allez, voilà, donc je m'en arrêterai là puisque pour moi c'est bien parlant. On est face à quelqu'un qui joue la comédie, qui enferme sa personnalité derrière un masque et qui se cache. Donc, c'est vraiment des gens qui trompent le monde, en fait. Et la dernière, c'est la carte qui représente une célèbre photo d'un enfant déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a derrière cette carte, eh bien, un petit peu un sujet redondant au niveau des élites, à savoir la Shoah, à savoir la création d'un État hébreu, à savoir la dominance mondiale. Alors bien entendu, hein, je ne parle pas des personnes qui sont juives de religion, pas du tout. Je parle des personnes qui, parfois, ont eu un certain besoin d'utiliser une certaine foi afin de négocier des choses bassement humaines. Et ces gens-là ne sont pas appréciés par les personnes qui pratiquent la foi juive. Parce que ces personnes-là ont été aussi à un moment donné, malheureusement, dans l'abus total. Et nous en subissons les conséquences aujourd'hui en regardant ce qui se passe en Israël au niveau du soulèvement de la population actuelle contre les lois qui ont été votées de force et pour lesquelles le peuple s'insurge comme il ne s'est jamais insurgé. Voilà, j'espère en tout cas que ce sujet aura pu vous intéresser. Pour ma part, il a été difficile à aborder de par la polémique que cela peut engendrer, mais très intéressant. Donc je vous remercie pour ceux qui auront été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, je pense ici que je vais de nouveau avoir des commentaires bien désagréables puisque c'est un sujet un peu compliqué. Si vous êtes un peu limité dans votre esprit et puis dans vos croyances, ne perdez pas de temps à commenter, c'est inutile. Et surtout si c'est pas constructif, quoi. Et pour tous les autres, eh bien vos messages sont les bienvenus. Vos sources d'information également. Vos propositions de sujets encore plus. Je peux vous retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook avec plaisir. Et puis aussi sur Twitter, où régulièrement j'essaye de reposter des informations qui ne passent pas par les filtres habituels des grands médias. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux-là si cela vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.